Salut à tous, c'était Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et vous pouvez le voir les gars, aujourd'hui je vais vous présenter une équipe, l'équipe des futures légendes. Donc j'ai pas pu tous les caser parce que j'aurais pu mettre du Ramos, du Chiellini, du Buffon, etc. Mais voilà les gars, j'ai pas tellement les crédits. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux joueurs de prêt, Aubameyang et Ibrahimovic, Movember. Donc voilà, c'est par manque de crédit que j'ai pas pu les mettre, parce que sinon j'aurais pu mettre des joueurs largement meilleurs. Les joueurs que j'ai mis dans l'équipe, ils sont quand même assez vieux et je pense qu'ils vont pas tarder à prendre leur retraite dans 2-3 ans. Donc voilà, vous pouvez voir également l'entraîneur, une légende qui n'apparaît toujours pas sur FIFA. Bon les gars, je vais pas lancer de match en 10, je vais lancer un match simple en ligne parce que je pense qu'en 10 on se fera déchirer avec cette équipe. En plus j'ai pas du tout de collectif, donc on va voir ce que ça donne. Ouais les gars, j'ai pas besoin de débattre sur les joueurs. Franchement ils ont des carrières extraordinaires, ils sont passés par les meilleurs clubs au monde. Partout où ils sont passés, ils ont fait du sale. Et on tombe contre le même, let's go. Il va quitter, bah oui, bon les gars, je pense qu'on va aller en div. Même si on fait une petite défaite, c'est pas grave. Une défaite, non, on perd jamais nous. Un petit nul ou même une victoire, il y a moyen de faire une petite victoire. Hop, on a fait deux victoires pour l'instant, deux matchs de victoire en div 3. Pourquoi pas continuer sur la même lancée? Ah, attendez les gars, parce que j'ai acheté un petit piqué. Allez, on va voir cette petite équipe. Et c'est une équipe de France. Areola au but, le point faible de l'équipe. Après, la Varane Umtiti, c'est du solide. Devant, Ben Yedder, Fekir, Martial. Milieu de terrain vraiment solide. Également avec Ben Arfa, Gonalon Boost et Kanté. Voilà, il a une très très belle équipe de France. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. On va voir si les légendes, elles sont toujours OP pour continuer. Bon, le mec, il commence à voir qu'on a des joueurs, c'est des chèvres. Parce qu'ils n'ont pas de collectif. Allez, Drogba! Drogba! Allez! Allez! Première action du match! Oh! Aubameyang! Mais non, gros! Qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi cette frappe? Oh, caca, mais il fait zouker Kanté, quoi. Oh, merde! Ish! J'ai réussi à rattraper ma connerie. Excellent Pirlo. Oh Pirlo, la barre. Pirlo, il est chaud. Il a plus le temps. Par contre, lui, ça se voit, c'est un mec qui fait Fut Champions tous les week-ends, lui, vu comment il joue. Regarde-moi ça, il joue le temps. Tac, 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 c'est construit et tout ça. En plus, j'ai Casillas au goal, c'est pas... Voilà, il a 82 de général. Oh, mais t'as voulu faire quoi? Tu joues à ça avec Pirlo, quoi. Encore, tu joues à ça avec Bounassar. Je peux te comprendre, mais pas Pirlo, arrête. Oh non! Casillas! Mais non! Mais non, mais j'ai même pas appuyé sur B! Mais gros, non! Allez, il va tirer à gauche. Let's go! Voilà, casse-lui les jambes. Bon, c'est la mi-temps. 4 tirs de cadré pour nous, 3 tirs de cadré pour lui. C'est voilà, c'est équilibré. On se dirige vers un bon petit match nul. Franchement. Mais j'espère qu'on va marquer un but. Parce que voilà, on mérite, franchement. J'ai eu des actions, mais j'ai fait des dingueries. En plus avec le collectif, ils sont perdus les joueurs techniquement. Oh Pirlo, mais non, j'ai tiré trop fort. Mais non, Pirlo, gros. C'était une balle de but. Un bon ballon de contre. Il va. Regardez-moi toutes ces légendes, c'est pas beau ça. Regardez-moi toutes ces légendes qui célèbrent ensemble. Et on va voir flou, on va voir flou, on va voir flou. Oh le poteau, la chance qu'on a les gars. Let's go les gars, allez 1-0, on gagne le match. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Il y a eu des occasions, beaucoup d'occasions ratées pour ma part. Voilà, Drogba, homme du match. Les légendes, elles sont toujours en jambes. Et puis voilà, on a quand même bien dominé le match. Enfin, on l'a pas dominé de fou, mais voilà, il a quand même eu le plus d'occasions chaudes. Nous, on s'est créé quelques petites occasions, mais bon, voilà quoi. Et voilà, donc troisième victoire, les gars. On continue sur notre lancée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'était Tezax, à la prochaine. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care.